Amérique du Sud ont pris depuis 150 ans une importance croissante à mesure que les communications devenaient plus faciles. Rappelons-nous qu'en 1820, époque de la diligence et du voilier, il fallait plus de 90 jours pour aller de France au Chili. Un siècle plus tard, en 1920, par voie ferrée et bateau à vapeur, Santiago n'est plus qu'à 24 jours de Paris. En 1930, l'aéropostale, par l'emploi conjugué de l'air et de la mer, réduit le voyage à 8 jours 10 heures. À partir de 1935, la liaison 100% aérienne accomplit la jonction Paris-Santiago. En droit à cette liaison rapide, il fallait vaincre des difficultés sans nombre dont la plus importante était de couvrir 3200 km de mer sans escale. Il fallait aussi affronter une zone climatique de grosse nébulosité, le poteau noir, tant redouté des navigateurs. Cette zone mobile et variable persiste toute l'année sur le trajet d'Air France et s'amplifie particulièrement aux périodes d'équinoxe. À Paris, au du Bourget, chaque samedi vers 22h, de toutes les directions, les avions arrivent dans la nuit. Les sacs postaux tombent coup sur coup. Le courrier commercial de toute l'Europe se concentre ici en quelques instants. Au bureau postal, on groupe les lettres, on les classe, on les timbre, on les répartit. Le Bourget, Montevideo, 1400, 1050, du gare de Nozère. Et les sacs postaux sont transportés à bord du trimoteur qui va leur faire accomplir la première étape du voyage. À la dernière minute, arrive le courrier de printemps dans tous les coins de la capitale. Chaque semaine, un avion part ainsi sur le coup de minuit quand dimanche vient de naître. Il s'élance au cœur de la nuit. Et c'est le début de la longue course de relais qui va durer plus de 3 jours et couvrir 15 000 km. Course contre la montre, car il s'agit d'arriver plus tôt, d'aller toujours plus vite, en dépit des 1000 obstacles d'une route qui sillonne un océan et 3 continents. Alicante, dernière escale de la nuit. Le Vibo, qui vient de prendre en charge la plus grande partie du courrier d'Espagne, poursuit sa route vers le sud. Il est midi lorsqu'on touche Casablanca. Casablanca, port entièrement créé de la main de l'homme et dont le développement prodigieux a fait sortir de terre en quelques années une ville neuve, la plus moderne des cités nord-africaines. Et l'avion est reparti, emportant l'essence nécessaire à une étape de 2000 km au-dessus du désert de Mauritanie, où les escales de secours ne prévoient pas de ravitaillement. Côte sans histoire et sans nom. Pour fournir aux avions des points de repère et leur permettre de signaler leur position, les pilotes ont adopté pour cette région une topographie spéciale. Baie Saint-Exupéry, Cap Mermoz, chaque point de la côte est baptisé du nom d'un pionnier de la ligne, Baie Antoine, Cap l'Écrivain, Baie Simon. Et le courrier descend toujours. Il fait nuit maintenant. Lundi, 1h du matin, Saint-Louis. Encore quelques coups d'aile et ce sera Dakar, fin du premier parcours terrestre. Voici la piste de Wakam, terrain d'atterrissage de Dakar, piste artificielle qui a été aménagée pour permettre l'envol des avions terrestres transatlantiques. «
Le vibo s'est posé. En hâte, on décharge le courrier. La voiture file vers la base des hydravions où le Santos Dumont a été amené à quai hier dimanche pour une vérification générale. En fin de soirée, on a fait les pleins d'essence. Pendant 3 heures, 12 000 litres ont été engloutis dans les flancs de l'appareil avec des moyens rudimentaires, car la liaison transocéanique est encore toute jeune et la nouvelle hydrobase qui fera de Dakar le premier port aérien régulier sur l'Atlantique est seulement en cours d'établissement. Cette nuit, tandis que la voiture postale se hâte de parcourir les 10 km qui séparent le terrain de Wakam du Santos Dumont, l'équipage prend son poste avec calme. Le radio Neri, le navigateur Comet, le mécanicien Richard. Le second pilote Ponce, suivi du commandant du bord, Givon. Les sacs postaux, dès leur arrivée, sont chargés sans perdre une minute. Près de 500 kilos de courrier, représentant une valeur postale d'environ 1 million, sont engouffrés dans de l'appareil. Dès que les moteurs auront atteint leur température de vol, ils pourront produire l'effort nécessaire au décollage. Le mécanicien commande la manœuvre. Allez-y, plein gaz! Un petit coup de manche et Givon décolle avec aisance une masse de 23 tonnes. 2h30 GMT, le Santos Dumont s'enfonce dans la nuit tropicale. Par ce voyage hebdomadaire accompli, quelles que soient les conditions météorologiques, la France a démontré au monde la possibilité d'une liaison transatlantique sud. Elle a déjà entraîné sur ce chemin la Lufthansa, qui assure de son côté un service régulier alterné avec celui d'Air France. C'est le triomphe d'une technique et d'une organisation dont les ailes françaises peuvent s'enorgueillir. Les 5 hommes du bord vont vivre pendant 16 heures une vie organisée, suivant un horaire méticuleusement établi. Tout est prévu, tout est déterminé. Le radio entre immédiatement en liaison avec les 5 postes dont le rôle est de suivre sans relâche toute la traversée, la vie de l'appareil. Pendant ce temps, le navigateur, dont le rôle ici est celui de l'officier de quart à bord d'un paquebot, va calculer la dérive que le vent impose à l'avion. Givon a corrigé le cap d'après la dérive. Tout est maintenant en règle, le chef pilote abandonne le manche à son second. Il va passer l'inspection du bord que lui enjoint le règlement. Véritable vaisseau aérien, le Santos Dumont comprend d'une part le poste de pilotage, le bureau du navigateur, le poste de radio. D'autre part, dans les ailes, le poste du mécanicien.
Les cinq hommes travaillent là, côte à côte, tandis que dans la coque, derrière la cale du courrier, se trouve le carré de l'équipage, avec ses couchettes, sa table et ses sièges. Enfin, les 16 réservoirs que Givon inspecte tout particulièrement. Le décollage s'est bien passé, la consommation d'essence est normale, tout va bien. Tout au long du voyage, les deux pilotes se relayeront ainsi heure par heure. Troisième heure de vol. L'aube se lève sur l'océan. Il fait grand jour maintenant. Heure par heure, les relèves continuent. Le radio fait le point par radiogoniométrie au moyen d'un cadre fixé à l'extérieur. Un volant lui permet d'en commander de l'intérieur l'orientation. Il va écouter successivement les deux stations émettrices. Il cherche l'angle sous lequel s'éteint l'émission de Dakar. Premier relevé. Puis, il cherche l'angle sous lequel s'éteint l'émission de Praia. Second relevé, dont l'intersection avec le premier lui donne le point. De son côté, le navigateur utilise les moyens classiques de la marine. Le sextant que l'on tient à bout de bras en visant l'horizon. Étroite collaboration que ces hommes, navigateur et radio. Un seul but, la sécurité. Le point est fait. La radio émet, les postes à l'écoute du bord de l'océan jusqu'à la capitale suivent la marche de l'avion. Et ainsi, d'heure en heure, le Santos Dumont progresse méthodiquement vers l'Amérique. Entre deux relèves, l'horaire qui pense à tout a prévu un repas simple mais confortable tout de même. Neuvième heure. Les pilotes viennent de se relayer et les hommes accomplissent méthodiquement leurs tâches dans le bruit sourd et régulier des moteurs. Le mécanicien a lui aussi son labeur horaire strictement établi. À chaque relève, il va noter l'une après l'autre les indications des manomètres d'huile, des niveaux d'essence, des comptes-tours. Les moteurs tournent correctement, tout va bien. Il va maintenant parcourir dans toute sa longueur le grand vaisseau aérien jusque dans le fond de la coque, près du gouvernail. Il vient s'assurer du bon fonctionnement mécanique des commandes. Son inspection finie,
Il va prendre quelques minutes de repos. Le ciel à l'horizon se couvre de gros nuages sombres. La dernière météo n'est guère rassurante. La partie la plus périlleuse du voyage. Dans la crasse, dans la pluie, le redoutable poteau noir. Chacun à son poste. Pour traverser ce barrage compact, où le pilote va cesser de distinguer l'océan et ses vagues, il faudra se diriger en se fiant uniquement aux appareils de pilotage sans visibilité. Instrument que tient désormais la vie de ces cinq hommes, qui tranquillement traversent chaque semaine l'Atlantique. Mais le poteau noir, malgré la sûreté de la technique, demeure un véritable péril. C'est là que le second pilote de notre traversée, Jean Ponce, a récemment trouvé la mort. L'héroïsme calme et modeste de ces navigants, qui accomplissent régulièrement ce qui était considéré il y a encore quelques années comme une prouesse sensationnelle, est l'honneur de nos ailes françaises. On a navigué en aveugle pendant 4 heures, et soudain, à l'horizon, apparaît le rocher Saint-Paul. Au large de ce rocher, pierre aride jetée au milieu de l'océan et balayée d'embrun, croise le Bentivy. C'est un petit bâtiment appartenant à Air France qui maintient là en permanence un poste météorologique et un poste radio. Les grands fonds et la grosse houle ne lui permettent pas de mouiller et le Bentivy tourne sans trêve autour de son rocher. 12e heure, on a perdu de vue le Bentivy. Et la vie de bord continue, presque machinale, presque automatique, dominée par le ronflement régulier des machines. De tous côtés, c'est de nouveau l'océan, et les heures s'écoulent. À la relève, on fait le point. La météo est bonne, la moyenne doit rester régulière. On peut calculer avec précision l'heure probable d'arrivée. Nous sommes à moins de 4 heures des côtes brésiliennes. On survole bientôt Fernando de Noronha, petite île volcanique qui jalonne la route entre le rocher Saint-Paul et Natal. C'est là que s'abrite le bagne brésilien. Les forçats sont employés au déblaiement et à la construction d'une piste destinée à recevoir les avions terrestres transatlantiques qui pourront y faire escale. Mais le Santos Dumont abandonne la triste petite île sans interrompre sa course. Lundi, 5h30 du soir. Le Santos Dumont tient l'air depuis plus de 15 heures à une vitesse moyenne de 200 à l'heure. La traversée est pratiquement réalisée. Déjà à demi noyé dans la brume de chaleur, on distingue maintenant les côtes américaines. Le chef pilote demande les renseignements nécessaires à l'amérissage. Et voici enfin l'hydrobase. Le Santos Dumont vient de franchir d'un seul élan 3200 km.
Pendant ce temps, le courrier à peine débarqué est déjà dirigé sur l'aérodrome de Natal, éloigné de 42 km de l'hydrobase. Depuis Paris, deux avions se sont relayés pour couvrir en moins de deux jours 8 645 km. Il en reste encore plus de 6 000 à parcourir. On quitte Natal au crépuscule. Dans la nuit de lundi au mardi, l'avion met le cap sur Rio de Janeiro. Là, comme en Mauritanie, Air France a dû établir une topographie spéciale. Des carrés de dépannage numérotés permettent à l'avion de signaler à tout moment sa position. 7h du matin, le jour se lève sur la baie de Rio de Janeiro, l'une des plus belles du monde. Un Christ immense veille sur la capitale du Brésil. Dans quelques mois, le cap que nous survolons sera transformé par le gouvernement brésilien en un vaste aérodrome pourvu d'une hydrobase et qui mettra le centre aérien au cœur de Rio de Janeiro. En attendant la réalisation de ce projet, notre avion doit survoler la ville pour gagner l'ancien terrain où déjà un trimoteur Breguet est sous pression pour assurer le relais sans perte de temps. Dans la brume du matin, nous survolons maintenant une côte sauvage où aucun atterrissage n'est possible. Après une heure de vol, c'est Santos, port de transit de São Paulo, capitale du café. Santos est pour la ligne postale une escale de grande importance. Nous poserons-nous sur le terrain taillé à la hache dans la forêt vierge? Non, notre pote préfère à marée basse atterrir sur la plage, à le sable dur. Quelques instants d'arrêt pour déposer le courrier et l'avion a repris sa route au-dessus du plateau brésilien. Allons maintenant attaquer les pays de grand élevage, les pays des troupeaux innombrables sur lesquels règnent les plus hardis cavaliers du monde. Pendant des heures, nous regardons défiler la plaine. Nous survolons Montevideo sans nous y arrêter. Il ne nous reste plus qu'à franchir l'estuaire du Rio de la Plata, long de 200 km, et voici Buenos Aires, point capital de la ligne aérienne. Buenos Aires, le port le plus important de toute l'Amérique du Sud, grande ville industrielle où se concentrent, en bordure des docks, les industries de transformation d'un pays de 12 millions d'habitants. La grande cité latine déroule à nos pieds tantôt un ordonnancement à l'américaine de conception neuve et hardie,
tantôt de magnifiques jardins à l'européenne, oasis reposante au milieu d'une ville de trafic intense, tantôt encore une banlieue verdoyante qui évoque pour nous quelques doux paysages de France. Enfin, voici l'aérodrome, où nous laisserons la plus grande partie de notre courrier. Tandis qu'une voiture postale lourdement chargée quitte le terrain, notre avion vole au-dessus de l'Argentine. À quelques heures de Buenos Aires, voici le pays des vignobles dont les cèpes réputés proviennent de France. Mendoza. Notre courrier change une quatrième fois d'appareil. Dernière escale, dernier transbordement. L'avion qui va achever le voyage devra atteindre une grande altitude. Avion léger, aussi léger que possible, monté par un pilote seul à bord. Il va falloir affronter la cordillère des Andes, barrière de 7000 mètres de hauteur qui sépare l'Argentine du Chili. Étape impressionnante. Pendant 2 heures, le petit avion va survoler une région hostile où l'atterrissage, c'est la mort. Dès les premiers contreforts, à moins de 1000 mètres d'altitude, la température tombe à 0 degré. Mètres, 10 degrés au-dessous de zéro. Mètres, c'est la solitude farouche de la montagne. Rien n'est vivant, hormis le ronflement régulier du moteur et cet homme seul dans sa carlingue. Le thermomètre baisse toujours à mesure que l'avion s'élève plus haut, encore plus haut. 6100 mètres. 6 que se dresse face à l'avion la Aconcagua, le plus haut sommet des deux Amériques, qui domine la cordillère et s'élève à 7200 mètres, altitude qui dépasse le plafond de l'appareil. C'est la partie plus délicate de l'étape. Il faut contourner le mont en se faufilant par les gorges et les déchirures du massif. Mais Ren, tout seul au-dessus de ce chaos hostile, continue à piloter avec tranquillité. L'appareil plafonne, 6700 mètres. La température est tombée à 25 au-dessous de zéro. Enfin, la Aconcagua est franchie. Mais la cordillère n'est pas encore vaincue. Sur la formidable barrière rocheuse s'élève un obstacle plus redoutable encore, le mauvais temps. C'est la brume, la crasse. Ailleurs, on aurait recours au pilotage sans visibilité. Ici, impossible. L'avion est entouré de rochers que ne décèlent ni l'altimètre, ni le compas, ni le variomètre, ni rien. L'homme avance en aveugle.
Enfin, dans l'éclaircie, on aperçoit le fond de la vallée. Et voici qu'apparaît au loin le Christ des Andes, le Christ que le pilote cherche dans la brume, le Christ qui annonce la fin de l'épreuve. Quelques instants encore, et le Potez vient se poser sur le petit terrain de Colina, près de Santiago du Chili. Au jour, à l'heure fixée, la poste venue de France est arrivée au bord du Pacifique. Nos pilotes ont parcouru 15 000 km en 3 jours et 4 heures. Ils ont dû vaincre la mer, ils ont dû vaincre la nuit, ils ont dû vaincre la montagne pour porter haut et fier le pavillon de la ligne et pour que vive l'œuvre des grands pionniers, des Mermoz qui le premier franchit l'océan sur un avion postal terrestre, des Gimier, des Colneau, des Guillaumet qui établirent une première liaison régulière avec des appareils comme l'Arc-en-Ciel, comme le Centaure, tous terrestres, montant à la conquête de l'océan. Cependant que la technique française, passionnée par le problème transatlantique, produisait les premiers hydravions géants, la Croix du Sud, mise en ligne par le commandant Bonneau, et sous la conduite de Bossoutreau et de Givon, le Santos Dumont, champion de la grande année. Sous l'égide de la nation, des réalisations du Paris-Santiago imposent par-delà les continents et les mers la gloire de nos ailes.